et bienvenue sur notre magazine Guitare Classique pour une explication sur El Fagot de Julian Arcas. Donc c'est une valse avec quatre parties qui se distinguent. Nous commençons par un petit glissé. Donc on joue bien le do dièse et on arrive jusqu'au mi. Pour vous faciliter la tâche, il faut que vous regardiez votre point d'arrivée. Vous jouez votre note et vous regardez la cinquième case. Et c'est une valse. Donc vous remarquez que vous avez donc une basse sur les premiers temps. Donc on s'appuie sur les premiers temps. Va vous poser des problèmes. Donc quand vous avez un passage difficile, vous le prenez indépendamment pour le répéter. Et là, il faudra bien veiller à faire sortir la partie solo. Alors là, le petit triolet qui va peut-être vous poser un souci. Donc on joue mi-mi, on frappe le fa dièse, on tire et on repose sur l'accord. On continue, triolet, on frappe sur le fa dièse, encore des tierces, troisième partie dans le chant et dans les basses et l'accompagnement dans les aigus. Le pouce, donc et encore un petit glissé. C'est typique de cette époque, de l'époque de Tárrega, de Arcas, d'avoir ces glissés. On bute toujours la basse. Pas les soupirs, donc on coupe à l'aide du pouce. Quatrième partie dans les suraigus. Ça sera un passage à travailler indépendamment. Alors, vous pouvez le faire à la main droite avec index majeur. Index annulaire fonctionne aussi très bien. Donc, il faut vraiment le faire bien chanter. Et là, ensuite, ne pas rater. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre fidélité à Guitare Classique et pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de notre magazine Guitare Classique. À bientôt.